Bonjour les fines bouches. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un petit clin d'œil à nos amis belges. On nous l'a demandé, donc on va faire la moule marinière. C'est un plat très simple. Encore faut-il mettre les bons ingrédients au bon moment. Que faut-il pour réaliser des moules marinières? À commencer, des moules. En l'occurrence, 1,4 litre. Céleri branche, persil, échalote ou oignon. Moi, je mets échalote, je préfère, mais on peut faire avec de l'oignon. Un bouquet garni, du vin blanc ou, nos amis belges encore, de la bière. Moi, je préfère le vin blanc à la française. Et des pommes de terre pour réaliser les frites. Action, on commence la recette. Alors, les moules, on les gratte si on les a achetées au bord de mer, etc. Sinon, en général, chez les poissonniers, elles sont déjà bien nettoyées. On les rince bien, on les met propres. On a ciselé la branche de céleri, les échalotes. On met du beurre à fondre. On fait attention à ce que ça ne noircisse pas. Et on y verse toutes nos échalotes qu'on va faire revenir jusqu'à bronzer. Je rappelle, échalotes ou oignons. Pour ce qui est des frites, on va faire une petite vidéo spéciale en parallèle tout à l'heure. Mais elles sont déjà en pré-cuisson. Là, on sent que ça part bien. Il faut que ce soit très chaud tout le temps. On sent qu'elles ont bien sué. On rajoute le céleri branche, le bouquet garni, un petit coup de poivre, pas de sel, produit marin c'est déjà salé. On met nos moules dessus. Et nos 15 centilitres de vin blanc. On couvre et on laisse entre 5 et 10 minutes. Au bout de 5 minutes, on ouvre. Si on voit que toutes les moules se sont ouvertes, c'est que c'est cuit. S'il y en a encore une ou deux de fermées, on attend. Mais on est entre 5 et 8 minutes de cuisson. A tout de suite. Ça fait 7 minutes que nos moules sont en cuisson. J'ouvre. Regardez, elles sont toutes ouvertes. En plus, je ne vous dis pas comment ça sent bon. Ce qu'on fait, on coupe le feu. On va réserver, mettre de côté, le temps de faire le second bain pour les frites. A tout de suite pour une assiette dressée. Les amis, on a les moules. On a les frites. On va servir. Comment? Très simple. Et pour ceux qui veulent, un petit peu de jus de moule. Comme si je gêne, hein, c'est à volonté. Alors les amis, à vos fourchettes, à vos couteaux, et bon appétit, et un bisou à la Belgique. Alors, tout se passe bien ?